Salut à tous, c'est Ria. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay. Et oui, cette fois vous l'avez vu, c'est Pikmin 2. Rémi Ninja Pikmin 2. Au choix ce sera Spectrop. Encore. Ouais, alors hier j'ai fait la vidéo justement pour Rémi Ninja, pour la deuxième partie. Et je voulais mettre la vidéo le soir même, sauf que pas de bol, mon ordi a complètement planté. Donc voilà. Donc là, pendant que je suis en train de tourner, l'autre vidéo se met en ligne et puis j'espère qu'elle pourra finir avant la fin. Et puis on verra. Sinon, la chaîne va bientôt avoir un an. Voilà. Donc faites grimper le nombre d'abonnés en attendant. Tiens, ça vous fera un petit rappel, donc je pose. la chaîne a été créée le 4 mars. Sauf que la vidéo, je la ferai le 7. Et il y aura d'autres petites surprises avec. Enfin, vous verrez bien. Mais je ferai le 7 mars parce que le 4, c'est un. Bon, samedi 7, vendredi 6, jeudi 5. Et mercredi 4. Ouais, c'est un mercredi. Ah, mais je commence tard encore. C'est le matin. Ouais, non, mais je ferai le 7, ça sera samedi, c'est bien. Voilà. Bon, vous verrez bien le 7 mars. Hein, et puis. Et je vais essayer de continuer là. Je profite du stage pour faire un maximum de vidéos, vous avez le droit de quoi faire. Vous êtes gourmand en vidéo, je le sais. Pour info, autre info aussi, il y a eu la loi COPPA, COPPA, qui est très très antiquinante, à mon sens. Puisque, alors avant, je mettais automatiquement les vidéos en vidéo pour enfants, puisque légalement ça correspondait à ça. Et en fait, ce que j'ai noté et remarqué, c'est qu'en fait, ça supprimait les commentaires. Je sais pas si ça, je vous l'avais dit dans une vidéo ou pas, mais je le redis comme ça fait un moment. Et ouais, donc ça supprime les commentaires. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai pas pété un plomb, mais presque. Parce que moi, enfin, je pense que, enfin, je sais pas ce qu'il en est de Frozen et. Puis Fire Linear et tout ça, comment ils dépatouillent par rapport à ça. Mais moi perso, je ne mettrai pas les vidéos en vidéo pour enfants, même si légalement ça correspond à ça. Pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un de responsable, je fais quand même attention à ce que je poste. Vous êtes grand aussi, hein. Vous êtes principalement plus jeune que je vise, mais vous êtes dans la tête, vous êtes grand. Ouais, donc, de toute façon, je fais attention. Pour un simple exemple, une fois je tournais c'était le jour de l'affaire Frozen, il me semble. Donc, mes RP, je filmais. Et à un moment, il y avait Brock. Pas bien à ce moment-là, qui a fait croire qu'elle s'était suicidée en fait. Donc elle fait croire que en fait c'était une des spots qui se coule et que voilà. Et en fait, au moment où la pseudo-pote, la fausse pote, c'était Brock elle-même en fait, qui disait que Brock était morte, j'ai coupé direct la vidéo. Voilà. C'est l'exemple le plus concret que je puisse vous sortir. Je prends cet exemple, mais en fait c'est sur de manière générale pour mes vidéos, puisque quand sur Dragon Team par exemple, bah, on entend des choses, enfin on entend, on lit des choses sur le chat, des fois c'est ça relève, enfin c'est sur le jeu, c'est bien, c'est moins bien, et puis parfois ça relève du privé, où là franchement je fais attention, je vois les Gilles Lamy si c'est vraiment... quelque chose de vraiment très très
vraiment privé, et si vraiment j'estime que c'est quelque chose qui va pas être diffusé, je diffuse pas la vidéo. Je m'arrange pour couper, pour faire quelque chose. Enfin, voilà. Le truc, je sais pas encore séparer une vidéo en deux, donc voilà. Mais bon, je m'arrange pour pas qu'il y ait de contenu blessant, enfin, sensible, on va dire. Voilà. J'essaie de m'arranger pour qu'il fasse de contenu sensible. Donc, à mon sens, enfin, à mon avis, la loi COPPA, si on fait des vidéos pour enfants mais qu'on les répertorie dans pas de vidéos pour enfants, ça passe. Là où c'est un peu plus problématique, c'est si on met, si on poste une vidéo pour enfants, non, une vidéo pour adultes entre guillemets, mais qu'on la met pour les enfants. Là, c'est beaucoup plus problématique. Mais enfin, dans le sens que comme je fais, ça gêne pas. Alors, du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de pas mettre ma chaîne en contenu pour enfants. Et parce que, puis il y a les commentaires aussi, moi les commentaires des fois pour améliorer les vidéos j'en ai besoin quoi. Il y a des moments, surtout au début, où j'en avais besoin des commentaires. Puis ça me permet de contacter les gens, enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai aucun scrupule à faire ça. Sans doute, alors j'ai pas regardé, mais sans doute que Frozen et Fire Linear ils vont faire pareil. Parce que nous, on est tous encore des... Bon, Fofroy, il a plus de 1000 abonnés, donc voilà. Mais par rapport à d'autres youtubeurs, on est encore des petites chaînes. Et voilà, les commentaires, on en a besoin. Voilà, et puis... Enfin, je sais pas quel youtubeur accepterait de ne pas faire... de pas être en contact avec ses abonnés via les commentaires, quoi. C'est juste pas possible. Ouais, le youtubeur, il fait des vidéos, mais être en contact... Bien, ouais. Je peux le mettre aussi. Bon, peu importe. Voilà, c'est ne pas être en contact avec ses abonnés ou ceux qui voient les vidéos, ça me paraît difficilement imaginable. Quoi. C'est... Il y en a besoin. Je sais pas, je pourrais dire, c'est pas ce boss. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, celui-là, je le connais. Ouais, je suis distraite par les vidéos. Enfin, bref. Voilà. Donc voilà, donc vous connaissez mon positionnement là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez à cette loi COPPA en commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer, alors on trouve d'autres vidéos pour expliquer qui expliqueront ça beaucoup mieux que moi, mais je pourrais peut-être expliquer de manière simple. Enfin voilà. Voilà. Et puis il y aura une vidéo le 7 mars précisément pour les 1 an de la chaîne 2009. Allez, on est parti. Donc on va faire le même format que la dernière fois, je pense. 3 jours, sachant qu'une journée, ça dure 20 minutes, donc pour une heure de vidéo, à peu près. Donc on y va. Alors, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, on doit sauver la société aux quotas de frites. On avait trouvé dans la vallée du repos, qui est ce coin-là, le globe terrestre, donc ce truc là, l'atlas sphérique qui nous a permis de débloquer la forêt de l'éveil, et donc on va y aller. On n'a pas trop le choix de toute façon, parce qu'après aller du repos, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Après c'est bloqué par des obstacles qu'on n'est pas encore rempli. Il y a moins de noyer tous mes pygmées, mais encore, ça sera totalement inutile. Salut, sachez que les pygmées nouvelles sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf qu'ils me chatouillent parfois. Placez-vous sur le cercle vert, vous sur moi et utilisez A pour sortir les pygmées violets. Bon, c'est pareil, c'est le mini-jeu, ça fait un moment que j'ai pas joué, donc voilà quoi, j'ai un peu tout oublié en matière de comment. Oh, qu'est-ce qu'il a foutu. Voilà.
Ouais, les soucis de batterie, ma télécommande, alors je suis obligée d'être coachée. J'ai une bonne idée, c'est plutôt de brancher directement la télécommande sur une prise et la brancher à ma batterie externe. C'est plus facile à bouger. Viens par là, toi. La fameuse baie ensoleillée. Alors, des fois, c'est un peu piégeux. C'est... Oh, j'ai eu le papillon. C'est le prix. Et toi, tu partages pas, toi. Non, mais où? Le Pikmin qui oblige le nectar jaune instantanément muté en Pikmin fleuri. Oui, il y a trois stades, feuille, fleur et bourgeon. Enfin, bourgeon, fleur. Ce nectar extraordinaire semble augmenter leur capacité motrice. Comme les plantes, les Pikmin passent de l'état de feuille à celui de bourgeon puis de fleur. Capitaine Meur, vous devez dire tout ce que vous savez à lui. Oui, et en fait, tu lui dis rien du tout. De l'aide. Wouah! Voilà. Ah putain, souci. Allez, j'ai un peu de. Je crois que j'ai un milieu aussi. Peut-être que ça fait pas bien là. Après il y a de la flotte donc on va éviter les... Parce que pour info les Pikmin ne savent pas nager. Donc pas cela en tout cas. Alors les Pikmin qui sont enterrés, on va les laisser. Parce que justement le fait de les laisser dans le sol, ça va permettre de les faire muter en Pikmin fleuri. Ah bah d'accord. De toute façon la... Cette terre-là, on va y rester un moment. Un nouveau Zimmer, nous avons un problème. L'oignon a cessé de produire des graines. Serait-il en panne? Intéressant, semble que la population a augmenté à l'intérieur de l'oignon. Avez-vous remarqué qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain? Mais je n'en compte que 95. Y aurait-il des Pikmin sauvages quelque part? Eh ben oui. Et ben oui, parce que tout simplement, quand on regarde la map, hop, là nous avons une petite nuée de Pikmin bleus. Enfin, une nuée. En général, on dit ça pour les papillons, mais... Oh, qu'est-ce qu'ils sont là. Un truc là. Voilà. Oh, t'en es. Je t'en aide. Ah non, il y a ça. Ah.
Ah, mais ça leur fait rien. Faut un petit une gueule. Ouais, bon, tant pis, on reviendra. Ouais, règle numéro 1 aussi, se méfier des tournesols. Parce qu'il y en a, ils ont des yeux et d'autres non. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est tout ce qui est changé en fleurs. Alors, on y va. Va en changer un maximum en fleurs. Et bon là ils sont tous en fleurs, ça a l'air, c'est bien, de toute façon ça se verra assez vite. Hein. Voilà. Alors ça aussi c'est intéressant, nous avons des petites baies, ça c'est très pratique. Ceci est une baie. Incroyable, cette baie rouge contient un sucre très épicé. Elle n'a aucune valeur marchande, mais je sais que je peux lui trouver des domaines d'application. Oui. Pour cela, j'ai besoin d'autres échantillons. Fleurs, ouais. On va tant qu'il est tous l'oreille, hein, c'est bien. Ah merde, il y a des lignes. Bon, tant pis. Alors celui-là, je sais qu'on ne peut pas y accéder tout de suite. Non, que les pikmin un peu plus léger. Recherche sur les baies rouges m'ont donné une potion très puissante, le spray épicé. Parce que ce truc est très épicé en même temps, donc c'est normal. Bien que ce ne soit un prototype, je suis convaincu qu'il aura des effets spectaculaires.
pas creusé, surtout vous mine un peu sur deux et n'ayez pas peur de les essayer. Sachez que je peux vous faire un spray à partir de 10 baies. C'est très simple. Plus de gauche. Dépêcher un peu. On va prendre le temps et puis voilà. Il y a des fleurs. Allez, derrière, on va. Je sais pas s'ils sortent en priorité les feuilles ou les fleurs normalement. Je disais, mais chez vous, les tronçons, je parle de ces tronçons là, là. Celui-là, là. Voyez, lui, là. Regardez. On a une deuxième. Voilà, il faut faire attention, commencer à bien récupérer tous les pikmin, parce que sinon après. Je ne survive pas la nuit. Ah tiens, oui, je suis oublié ça. Ah, maintenant j'ai plus les fumées. Alors, nous avons ça. Ouais, là c'était. Ah ouais, il y a les jaunes, mais. Ouais, j'avais zappé ce détail, moi. Ah oui, ils sont là. Ah, c'est super, en fait, on a les bleus, mais on les a pas, quoi. Faut d'abord avoir les jaunes. Ah bon, on a le mur empoisonné, donc on n'a pas le choix, on va aller par là. Avant la nuit, de préférence. On a quoi? Un mur empoisonné, bon bah... Ou là-bas. Bête féroce de force indéterminée et tapis dans ses profondeurs en armée. Oui, bah c'est bon.
C'est terrible. Waouh. Capté, des températures très élevées. Pygmée ignifugée, égale pygmée rouge, résistant au feu. Qu'est-ce qu'il y a de tel? Wow. C'est l'enfer là-dedans, en fait. Oui. Alors, ouais, feu, eau, électrique et poison. Ouais, on a 5 types de Pikmin, on a tous les types là et plus, plus les violets. Qui eux représenteraient la force. Voilà. Oups. J'ai oublié le temps. Déjà on perd deux pipines, ça pourrait le faire. Qu'est-ce que c'est? Croix de fer, c'est ça? Ah oh, mais en fait c'est un bouton pierre d'aller voir. Ouais. En fait là ce bruit, je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça veut dire... Enfin c'est le bruit quand on aura un détecteur de trésors. Très pratique. Un rose brûla, ça veut dire qu'il n'y a plus de trésor en fait, il n'y a plus rien. Ah, normalement c'est ça. Ils n'ont pas perdu deux Pikmin déjà. Gîte de bête. J'adore ces champignons. Je sais pas combien de niveaux ici. Il doit y en avoir 5. On est devant un 9. On se calme, les gars. Oh, on n'a pas fait, mais il est là, c'est bien. Ah, chouette. Ça, ça veut dire que vous allez en avoir besoin. Là, on va les récolter directement. Ah, mais on a les... On peut les faire fleurir. On peut les faire fleurir parce qu'on a encore les... Ah oui, oui, ça a tout intérêt. Là. On va les prendre. Ça, c'est juste c'est tout pour eux.
C'est joli. Le jardin fleuri. Ouais, même fleuri, les violets, ils sont plus lents que les rouges fleuris, quoi. Alors imaginez la différence entre les rouges fleuris et les violets feuilles. Ouais, il parle là-dedans. Monolithe conflictuel. Pourquoi ils disparaissent? C'est bien, ça fait un joli anneau sur la carte. Allez les gars! Une jolie assiette. C'est quoi comme jeu? Non, on ne saura jamais ce que c'est. C'est un jeu ça, Nintendo, c'est une référence. Souvent les jeux, les développeurs ils aiment bien faire des références à d'autres jeux dans des jeux. Alors on vérifie qu'on a bien tout le monde. Yep. Thank you.
Voilà, bon, on a eu la cartouche, mais maintenant on a la Game Boy qui va avec. Je sais pas si c'est une Game Boy, mais... J'en ai un de trucs comme ça chez moi. Pas être un rêve, c'est... Mini console, c'est un peu... Enfin, c'est pas l'ancêtre de la DS, mais presque... De ce côté. C'est gentil, mais c'est juste pour l'outil. Si tu as de la chance. Pas tout bien trèfle, mais bon, elle baisse. Alors. C'était par où? Là-bas. Ça me plaît mieux. Alors, c'est quoi? On est parti. Arrivé au dernier, je crois. C'est bien, je lui fais des sauvegardes automatiques assez souvent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, bon, on va explorer un peu. Merde. Et quoi, pourquoi tu me suis oh. C'est une maman du blob. Je sais pas. Ah mais il y a des airs juste là en fait. Et je crois qu'il y en a une comme ça qui se met à prendre des petits tout le temps. C'est chiant. Alors, quitte à sacrifier des pique-niques, j'ai longtemps que ça peut faire les rouges. Je vais, c'est justement précieux que... Voilà pourquoi. Merde, je suis n'importe quoi.
66. Ok, le senseur, je crois. Ouais. Tiens, 66. J'ai perdu une trentaine, quoi, c'est bien. En fait, tous les Pikmin à oignon, ils sont sacrifiables, mais sinon les autres, ils sont pas sacrifiables. C'est même pas une assiette complète. Prototype de détection. Le dispositif réagit quand la présence se trouve à proximité. Hop, je peux connecter. Ouais. Le sens est prêt. Ça, c'est bien. Ça. Voilà. Bon, bah on y va, on va pas ressortir. Robe dernier. Ouais, non, il n'y a pas trop de trésor. En fait, la grotte est terminée quand on a eu tous les trésors et peut-être même toutes les créatures. Tous les trésors, ça c'est sûr, après les créatures, je sais pas, sans doute. Bon bah... Oui, il m'a rien utilisé les Pikmin, etc. Une peur sans épée sur ses os. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de là. Ça, il se couche. Et il m'a réussi, il se couche à son début de pique-nique. Oui, on sait. Ouais, et puis on a 10 secondes pour un... Dépêche-toi, mon petit gars. On joue bien avec toi. Dépêche.
normalement, j'ai trouvé, alors ils mettaient 60, je sais pas combien, sur 78, parce que déjà, il y a les Pikmin bleus sauvages, de 1, et puis de 2, il y a ceux qui sont plantés, en fait. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Sans ce qu'on en a oublié, c'est bien tout de suite. Mais ceux qui sont enterrés, ils créent rien. Au final, on n'aura fait qu'une journée. Ah bah ça a monté globalement. Ouais, une petite dernière. Olimar, ça avance, vous n'arriverez jamais à rien si vous restez les bras croisés avec le conducteur à la main gauche pour une direction. Chou, mais le truc c'est qu'il doit y avoir une autre crotte quelque part. Parce que l'autre crotte, parce que là je m'en retrouve avec un peu au milieu de deux murs empoisonnés. Là on a des feuilles. Ouais, donc là-haut il y a un trésor mais on peut pas le voir. Il est enterré. Ouais, donc les Pikmin enterrés, il vaut mieux les laisser comme ça ils fleurissent direct. Parce qu'il faut pas embêter. Bon, ils ont tous en fleurs. Bon, alors là-bas on a de la flotte, donc on va pas y aller. Ah, c'est chiant, c'est bête. Bon, je vais. Comment t'en prie. Ouais, ouais, je suis là. Alors, il y a lui. Ah, mais ils sont là, les blancs. Ils ne résistent pas, mais ils m'ont fait 200. Ils ont plein de violets. Ouais. Voilà. On regarde un peu. Ce qui reste, ouais. Il en reste. Alors, voilà. Tu vas dans le... Voilà. Voilà, puis le reste, on va compléter avec des rouges. Attends, tu vas faire. Oh, mais ils sont deux maintenant. Oh,
Les senseurs de détecteurs de métaux s'emballent. Je me demande ce qu'il y a là-dessous. En cas de souci, hein, plus près. Rien pour faire une place. À chercher, il est allé après. Jardin blanc. Peut-être cette grotte est un trésor à toute seule. Allez, on y va. Pénarie, les gens se fait agresser. En avant. Bon, déjà pas de perte. Des fois on les entend se faire attraper, mais on les tue sauve là-dedans. On prend la boîte de Nutella. Non, c'est même pas du Nutella, c'est du Skippy. Ah, bien sûr, faut faire gaffe, faut pas les voyager en vide. C'est quoi? C'est pas la crème de spéculoos là ou le beurre de cacahuète? Après qu'avoir la boîte, ça a l'air trop bon. Ouais, non, si, nutritif. Ouais, c'est pas bien ce nom. C'est quoi l'éléphant à broc? Alors... Je me méfie parce que des fois ils peuvent les envoyer dans le vide, je crois. Voilà. Et bien, pas assez de choses. Mmh.
Vainqueur, c'est mignon. Joyeux Saint-Valentin, les gars. Que petit. Qu'est-ce que c'est beau. Ici même mon machin. Ah. Ah mais je crois qu'il y a un oiseau là. Des fleurs. Je vais vous faire le même tuto que pour les vieux. Ah non, il faut adapter parce que profondeur aussi parce que je ne sais pas. C'est le plus petit Pikmin qu'il y a. Un Pikmin blanc minuscule mais très agile. Notre nouvelle espèce. Pose d'un capitaine dont je tairai le nom. Incroyable, le Pikmin blanc trouve un trésor qui était enseveli dans la terre. Et oui. Allez, au boulot, les gars. S'il faut suivre à l'ombre. Je sais pas comment on peut les... Tout ça pour 80 colmateurs à soit un scotch.
c'est tout le monde. On va prendre tous les blancs. Ouais, non, les blancs, je croyais qu'ils étaient plus rapides, mais non, ils sont aussi rapides que les rouges. Ah, peut-être un petit chouïa plus. Alors, ils sont plus malins pour en matière de déplacement. Non, j'ai tout le monde. Oui, j'ai tout le monde. On y va. Alors, la priorité... Là, on a ça... La priorité, c'est d'enlever le poison, parce que si, après... conteneur océanique, soit boîte de sardines. Hein. C'est ce coin là. En plus, il n'y a pas de monstre, il n'y a rien. Un champignon. Je t'ai vu. Un tour pour voir, c'est tout. C'est pas un passage. Ce trésor est là. Avec les jaunes, il serait parfait. Mais je sais qu'on peut l'avoir pour maintenant, quoi.
ça, bah tant pis. On récupérera quand on aura le Pikmin jaune, parce que les Pikmin jaunes sont les Pikmin électriques, ils sont beaucoup plus légers et ils auront plus de facilité à. Et qu'est-ce qu'il y a par là? On peut explorer. Non, ça va pas. Non, c'est juste là qu'on peut explorer. On peut repasser pour. De toute façon, on voit si les grattes on les affine ou pas. Hein, donc, Dernier niveau. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ça, à mon avis, c'est le gros oiseau. Yep. On va envoyer un truc pour vérifier. Et on va faire un duvet, vous allez voir. Ah merde. Merci. Non. Alors, voyons voir. Oui, d'accord. J'apprécie la prise d'initiative. Donc là, l'idée c'est de prendre les blancs et de prendre que les feuilles. Sac de couchage, waouh! Super! Youpi! Ouais, mais du coup, alors là, l'idée, il nous faudra les blancs. Ok, alors, voyons voir. Ce qui trie pas les fleurs et les feuilles en fait.
Ah, je prends que celui-là. Attends. Voilà. Ah, tout en fleurs. C'est des gros gens, ouais. Et ben allez. Là-haut, il y a quoi? Un bulbe. Bulbe plein. Non, mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Voilà. On a deux coins à débloquer, ça c'est fini. Alors lui c'est que ça et que les blancs. C'est là et puis il y a un qui va les attaquer.
Ah et du coup j'ai pas mes palettes avant la grotte. Là ouais, il y avait une bestiole avec des palais, donc j'ai perdu ça. Oh bon, on l'attend. Ah merci. Ouais, ceux-là du coup ils sont pas très solides comme bien. On n'est pas pressé. Bon, là en plus on a une grotte. Derrière le truc qui avait les poids et puis la bouche aussi. Ouais, on les entend les deux, mais plus. Et courir après les critères. On va récupérer les autres. Voilà. Alors, déjà, on va ramener ceux-là. Ouais, donc là il y a le spray amer qui sert à je sais pas quoi. En fleurs tout à l'heure.
Alors, il repasse en bourgeon la nuit. Je ne sais pas. Là, tu vas bien, mon chéri. Ton patron m'a offert une messagerie spatiale. Il m'a tout dit sur ton voyage d'affaires. La dernière chose, n'oublie pas que tu es une famille. Oui, c'est la femme de Limar. Bon, nous allons nous arrêter là. Donc, voilà, je vais mettre la vidéo en ce soir. Et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.